Et on retrouve à présent en direct depuis Jérusalem Samuel Arouas, directeur France de l'association United Hatzalah. Vous organisez ce dimanche un dîner de mobilisation. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais vraiment parler de votre association. On le sait, vos bénévoles étaient parmi les premiers à intervenir le matin du 7 octobre. Certains bénévoles font d'ailleurs malheureusement partie des victimes. Quelles conséquences ça a pu avoir pour l'association? Est-ce que des bénévoles ont quitté l'organisation ou est-ce qu'au contraire, le courage et l'action de vos bénévoles en ont attiré encore plus? Bonjour. Alors, les bénévoles sont plus motivés que jamais à continuer leur action parce que je pense que la pire des choses, c'est de ne pas pouvoir agir lorsque une catastrophe comme ça se produit. Et c'est vrai que nos secouristes ont été, pour plus d'un millier d'entre eux, content, alors content c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas ils sont allés dans le sud pour porter secours immédiatement aux victimes, et c'est vrai que ça a créé des liens encore plus forts avec l'association qu'avant. Alors, vous le disiez, ils sont dans l'action, votre organisation agit dans toutes les situations d'urgence d'ailleurs, que ce soit des attentats, mais aussi des accidents de voiture, des crises cardiaques, des accouchements même. Parlez-nous un petit peu de toutes vos actions justement. Alors, c'est 7000 bénévoles, United Hatzalah, qui se trouvent dans tout Israël, et nous répondons à 2200 appels quotidiennement. Donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est absolument tout le type d'urgence auquel nous répondons au quotidien. Et bien évidemment, lorsque la guerre a démarré, c'était tout naturellement que nous sommes partis vers le sud pour porter secours aux victimes. Et dans le quotidien, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le travail de vos bénévoles au quotidien ? Un secouriste, en réalité bénévole, va avoir une activité qui est complètement différente de United Hatzalah au quotidien. Et lorsque une urgence se produit, nous sommes géolocalisés en temps réel et nous allons être appelés vers une urgence qui se trouve à proximité, donc à quelques dizaines de mètres de là où on se trouve. On va arrêter nos activités pour quelques minutes, si vous voulez. On va aller intervenir sur le lieu d'accident ou sur le lieu d'accouchement, comme vous l'avez très bien dit, et ensuite on va retourner vers nos occupations. Donc c'est comme ça que le système fonctionne très très bien, puisque vous avez 7000 bénévoles sur tout le territoire qui sont prêts à lâcher leurs occupations quotidiennes pour 10 minutes, 15 minutes, et ensuite revenir à leur travail ou à leur famille, comme si rien ne s'était passé, mais ils ont pu sauver une vie. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que votre temps d'intervention est un record, c'est vraiment une histoire de 2-3 minutes. La moyenne nationale de United Hatzalah, c'est un temps d'intervention de moins de 3 minutes. Mmh. Et je peux vous dire que dans les grandes villes d'Israël, nous sommes déjà à 90 secondes de temps d'intervention. C'est rendu possible parce que nous avons beaucoup de bénévoles sur tout le pays. Et vous les voyez, ces gilets oranges, vous les voyez très souvent dans les nouvelles, aux informations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on souhaite communiquer parce qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas exactement les spécificités de United Hatzalah. Alors, d'ailleurs, donc on le sait, donc cette organisation est composée principalement de bénévoles, mais tout le matériel de secours, ça coûte de l'argent. Les ambulances, les motos, les kits que vous distribuez également à vos bénévoles. Comment est-ce que vous êtes financé? Est-ce que vous bénéficiez, par exemple, de fonds publics? Non, United Hatzalah, c'est une ONG, donc on est complètement indépendant de l'État, et c'est un service qui est 100% gratuit également. Les citoyens israéliens. Donc, pour répondre à votre question, 100% du financement Hatzalah, c'est des dons qui viennent de l'étranger, d'Israël, et qui nous permettent de fonctionner au quotidien. Alors, vous l'avez mentionné, vous êtes étonnamment moins connu par les francophones en Israël, par exemple, que par les Français à l'étranger. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous organisez un dîner de mobilisation ce dimanche. Alors en fait, on est très connu, c'est-à-dire que tout le monde connaît ce gilet, mais c'est vrai que les gens font l'amalgame. Et c'est vrai que c'est à la demande des Français de France, justement, qu'on organise le 2 juin prochain un dîner à Tel Aviv pour expliquer l'action de United Hatzalah au quotidien en Israël. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens nous ont posé la question. On aimerait en savoir plus, donc ça va être l'occasion d'en savoir plus lors de ce dîner. Merci beaucoup Samuel Arouas. Je rappelle que vous êtes directeur France de l'association United Hatzalah. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, je rajoute juste une chose, pour réserver, les gens peuvent se rendre sur le site 1221.fr, 1221.fr. C'est noté, merci. Un fan de foot.